cadastre est perçu déjà à l'époque. Et nous poser problème non-assistance de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de victimes qui aux abois, l'État n'a pas fait rien pour eux. La justice n'a pas fait rien pour eux, parce que c'est même justice encore qui a baillé décision, qui a mis les gens dehors sans réfléchir. Et notaire qui finit rédiger papier, c'est même notaire qui a baillé l'autre papier à l'autre monde sans dans n'importe quelle condition, sans qu'il n'y ait aucune vraie transaction qui passe. L'État lui-même qui est défaillant, et l'État qui nomme Apantec, nommé notaire, qui nomme juge par commission, bien entendu, là, dit nommé, mais ce n'est pas commission présidentielle. Commissaire gouvernement qui intervient dans la question en tout, qui est nommé par l'État. DGI, pas bien que le directeur DGI, c'est le représentant de l'État. Donc, lui-même, pour qu'on parle, pas enregistré à droite, à gauche, tout le monde qui vient, by titre, n'importe qui titre, que le faux, que les gains matériels, que c'est montage titre qui fait, tu enregistré, compte intérêt vrai propriétaire, yo, bah là, bah, y a problème, en pile problème dans la rue, donc nous pensons que faut que nous fassions un colloque pour nous permettre de comprendre, nous-mêmes, tout pour nous comprendre mieux, qui gens, bah, ça fait arriver. Qui j'en fait gagner tout professionnel ça, tout officier ministériel ça, ou j'en fait gagner des tribunaux et qui a penché sur question ça et puis il a privé. Et c'est comme ça nous allons comprendre que c'est une vaste association de malfaiteurs. C'est-à-dire que nous t'es mettez avec Apantec, pas toutes nous, mais et comme ça la fête en pile là-dedans, et ils mettez avec par exemple huissier tribunal le cap soufflé hack. Et juger eux-mêmes, soit que c'est comprendre ou pas comprendre, soit c'est lié ou pas lié bien, soit ou de mauvaise foi, soit il y a une corruption, mais qu'on leur a déterminé qui sa question est exactement, qui fait juger, il y a légalisé les gens qui veulent faire les gens comme ça. Est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre? Est-ce que c'est la loi législative qui baille des attributions qui n'ont pas de droit gagner tout à un certain niveau dans la question? Parce que deux personnes qui font transaction, ils ont un tribunal qui dit là-dedans. Donc c'est là le problème de Minchita. Lorsque vous mettez le tribunal là-dedans depuis le commencement de la transaction, et le tribunal n'a pas grand-chose qui est en libre jeu, ou prendre le doyen, c'est lui qui va leur donner, avec le commissaire qui a fait l'exécuture, pour leur donner faire un apprentage. Mais est-ce que le doyen, est-ce que le garde, est-ce que le vérifier le titre, est-ce que le gagne job pour faire ça tout? Est-ce que le commissaire gouvernement tout, Léopold faux document balé, tout ça pour débattre, est-ce qu'il gagne une mission pour le garder le titre? Qui est pour ça fait que le législateur a demandé de faire ça là? Donc, est-ce que ça résout nos bagailles? Il complique le plus. Donc, pour nous comprendre la question bien, il y a des gens qui disent qu'il faut informatiser, il y a des gens qui disent qu'il faut un GPS, il faut un paquet de bagailles. Mais si nous n'avons pas une législation qui est adaptée, nous avons un problème. Et ça fait un colloque international. Ça a invité la juridiction immobilière dominicaine, eux-mêmes, Saint-Domingue, ils ont gagné toute une section, pas même une section même, non, ils ont un tribunal spécial qui est monté presque même à un tribunal de droit commun. Ils ont un premier. Et il y a une première instance à donner, il y a un coup d'appel, etc., qui traite la question. Il y a un paquet de tribunaux qui l'a pour ça, qui pour traiter la question, spécialisé pour ça, juste ça, spécialisé pour la question, et c'est ça seulement le traité. Il y a traité la question et au niveau administratif et au niveau juridictionnel. Et c'est ça la question. Et au-delà de faiblesse qui gagne dans la loi, il faut que vous mettez acteurs tout face avec responsabilité. Parce que parfois, il y a des négligences de la part de certains auteurs. Et même quand même parler certaines fois de complaisance et des fois gagner tout et des arpenteurs, des huissiers qui pas toujours assumer et responsabilité aux gens qui ont dû faire et sans oublier des collègues magistrats qui sont capables de joindre, qui ne doivent pas faire travail avec acuité. Donc c'est ça que fait, nous on fait appel avec sens de responsabilité chaque acteur, mais en même temps tout, si un acteur qui fait la mission, ou du moins ce qu'il a choisi pour que les violer la loi et contribuer dans le déposséder des mondes de terrain, bien que l'État a réagi à travers le système de sanctions. Parce que si on juge, par exemple, le CSPJ, de la mesure où il y a des preuves qui établies et qui montrent que le juge a une responsabilité en termes de connivence dans le déposséder des mondes de terrain, bien à ce moment-là, le CSPJ doit agir. Ou bien tout le ministère de la Justice pour ça concerner les parquetiers. Et en même temps, les commissaires du gouvernement, eux-mêmes, ont une responsabilité par rapport avec comportement arpenteur, comportement notaire et les assemblées des juges, ils ont une responsabilité par rapport avec des comportements des huissiers qui pata fait travail suivant la loi et en toute acuité. Donc, oui, je dis, je suis capable de dire que la solution, c'est non seulement une solution dans la loi, parce qu'il faut modifier les lois, il faut aussi
puis il y a des lois qui garantissent davantage les propriétés privées, les propriétés mounio, mais en même temps tout, il faut qu'il renforce l'institution de la DGI, par exemple. Ou gen doit l'enregistrer un terrain matin, on l'autre moun acheter même terrain, après-midi à l'enregistrer dans l'autre bureau DGI, ou bien dans le même bureau, il n'y a pas même rendu compte que terrain ça, il fait que soit enregistré sous nom monde. Donc le système n'est pas automatisé, donc c'est un système qui est établi en réseau, côté que un système informatique qui depuis le monde est enregistré et on l'autre monde vient, il y a pour rendre compte que son terrain qui est enregistré sous tel nom de propriété. Et en même temps tout, et là, DGI, bon, pas de pouvoir tout pour que l'idée dit tel monde n'a pas de droit acheter ou bien pas propriétaire. Donc l'idée de mission aujourd'hui, c'est seulement recevoir des actes pour enregistrement. Donc je pense que à travers la loi, il est capable à la DGI de nouvelles attributions, questions pour que renforcer question sécurité foncière là. Et que aujourd'hui, hein, dans l'esprit pour une société organisée légalement, côté tout le monde a droit et devoir, il y a des questions, il y a des problématiques qui sont extrêmement importantes, qui doivent ajouter, disons, agiter dans la société. Ça. Donc, question insécurité foncière là, est importante parce qu'il y a l'implication de toute une chaîne de, dans la réalité. Donc, présence, moi, comme premièrement citoyen, deuxièmement, comme ancienne personnalité, comme magistrat, question foncière sont bagaille que nous avons souffert en pile en cafou par rapport à comportement moun. Donc jodi an, yon colloque comme ça qui ont extrême importance pour que question capable agiter à travers implication série de personnalités d'état, victimes etc. Je crois que son bagaille qui est extrêmement bon dans objectif état de droit, dans objectif une nouvelle société côté que moun doit prendre moun pour moun, respecter moun, remet moun, vivre avec moun, dont particulier bien privé moun, son bagage qui doit respecter et protéger. Non, entre la hantise du retour et l'incertitude que cette problématique ça a posé, et n'a pu profiter tout pour nous présenter nos remerciements à cabinet Gassan, particulièrement M. Gassan qui lui-même entreprend une activité pareille. Parce que lui m'a donné un peu le courage pour capable présenter problématique ça qui lui-même nous a capable dit et réellement et entraver le progrès du pays. Et dans le moment ça que nous vivons là, que nous traversé là, nous connaissons que tu as gagné une crise financière aux États-Unis en 2008 qui peut-être les mêmes tout est impliqué la problématique ça, mais ce qu'on a qui pas réellement nous a établi un parallèle, mais il n'est pas même parce que le système judiciaire américain lui-même est très fort. Il est toujours intervenu à un moment opportun pour le capable de porter correction. Alors comme nous déjà attendons intervenants déjà qui fait nous comprendre que nous avons un système judiciaire ici qui est inadéquat si même existant. Donc en quelques mots, c'est ça, on a pas adressé un peu plus tard et nous souhaiter que tout le monde qui attendait là prête ses oreilles et participer à une conférence pareille. Compagnie Sayo aux États-Unis, ça que yo fait c'est yo faciliter pour que le monde acheter et vendre propriété même si qu'on voulait refinancer aussi. Mais ça qui est très important, c'est que pendant que nous fin recevoir contrat qui dit que le monde veut acheter ou le monde veut vendre, mais nous faire recherche. OK, dans nos système public que yo enregistré, nous faire recherche là pour connaître vraiment c'est qui est qui met propriétaire avant que yo ka vendre. Alors même si qu'on venait avec un contrat dit ou non, si que et c'est pas ça que recherche l'en pouvait, alors moun ça vraiment pas ka acheter kay là. Alors nous gè un système pour que nous contrôler tout bagay yo que nous pas besoin, c'est en pile moun ka vini dit c'est yo qui met là. Nous gè un système spécifique qui public que nous ka chercher pour que nous ka et connait vraiment c'est qui ça qui passé. Et après ça gè assurance qu'on y a que moun a acheté vraiment acheteur là gè une assurance qui vraiment assurer li que et yo gon bon titre, ce qui veut dire que y a un bon kay. Mais si que un problème qui vient résoudre avant, on barre que nous pas joindre dans